quelques adhérents amateurs d'orgue ont découvert avec curiosité l'atelier du facteur d'orgue. Pierre Vial avant de participer à l'Assemblée Générale de l'Association Mes Amis de l'Orgue. Florence le 25 mars dernier. Le président Vincent Berthier te présentait le bilan de l'année 2022 et les projets à venir. Avec les commentaires du directeur artistique Jean-Christophe Revel. Créé dans les années 1980, l'association a redémarré depuis 6 grâce à une nouvelle équipe et un programme d'activité. Pour mettre en valeur l'orgue Jumagen, l'un des plus beaux instruments romantiques du département du Gers et du Grand Sud-Ouest. Les présentations du marché seront le fruit de ce travail. L'association se joint au projet ambitieux de Jocelyne Gillet, professeur de musique au collège Hubert Gide, de faire construire un orgue par de jeunes collégiens. L'association inviterait pour la seconde fois le duo d'artistes Baptiste Génion et Vincent Dubus pour leur spectacle pour enfants Celle et Gretel. Les concerts du marché auront lieu le mardi de 11h15 à 11h45 avec au programme une présentation de l'instrument et l'accueil du public avec tribute pour découvrir au plus près cet instrument mystérieux. Festival proposera de faire venir à Florence les meilleurs organismes nationaux, internationaux. En 2002, deux artistes là venant des Pays-Bas, le second venant de Suisse, vont proposer deux programmes aussi inattendus qu'originaux vendredi 20 états juifs. Ron Fokkens des Pays-Bas vendredi 18 au Tivre Oxten de Suisse, directeur de Toulouse les Orgues. L'association souhaite développer les offres de festival en parallèle au Festival d'Astronomie de Florence. Enfin, un concert de Noël aura lieu dans le cadre du marché de Noël. Le bureau se compose ainsi, président Vincent Berthier, secrétaire de Françoise Troubet, trésorier Michel Vandeville, directeur artistique Jean-Christophe Revel.